Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en Dordogne. On a changé de spot, on a démarré un autre spot. Oui. On va repartir à un autre spot. On va essayer de prendre du brochet, de la paire, de la truite si on peut. Puis c'est parti. N'hésitez pas à liker et à mettre des commentaires, à mettre des pouces bleus aussi. Parti. Ellie, tu pêches à quoi là? Vas-y, fais voir. Attends, vas-y, tourne-toi. Ouais. Tu l'as sorti, la grenouille? Tu peux me tenir ma canne, s'il te plaît? Ouais. Avec la grenouille qu'elle parlait. Donc, petite grenouille comme ça. Quand le brochet va attaquer comme ça. Il va mordre. Il va se retirer. Et donc il se fasse piquer. Donc voilà. Tiens. Ta petite canne. Tiens. Et puis moi je suis avec ça. Le petit serpent. Dans les herbiers. Exactement. Même toi ou quoi? Bah oui. Ouais, il pleut un tout petit peu. C'est pas le meilleur temps. Hein. Pour une petite session en matinale, c'est pas le meilleur temps. Mais là, on essaye de pêcher toutes les bordures. Perche et brochet. Moi, j'essaye de changer à chaque fois pour perche brochet. Puis Kali, là, elle pêche le brochet. T'as quoi comme leurre, Kali? Ouais, un articulé. Ok. Ça, c'est pas articulé dans l'océan. Bah si, il est découpé ton poisson. Oui, mais c'est pas ça. Ça fait pas ça. C'est très joli. Bah oui, bah il est articulé si ça fait très joli dans l'eau. Oui, mais ça tombe pas dans l'eau. Ça reste pas comme ça. Oui, mais il est articulé. Oui, ça reste pas comme ça. Mais ça veut pas dire... Bon, bref, c'est pas... Et puis voilà, j'ai pris une petite perche. Kali, t'as rien pris toi? Maman, elle a pris une petite perche. Ouais. Ouais. Bon, de toute façon, on verra bien. Et ouais, le temps, il est pas... Bon, après, c'est peut-être bon pour la pêche. On va bien voir, donc voilà. Bon bah, j'ai pris un beau petit brochet, 50 cm à peu près. Voilà, il est beau, il y a une belle petite attaque au chaton bait. Franchement, ils ont de la patate ces petits. Bon, ici s'est passé quelque chose. Juste ici, j'ai lancé mon leurre là-bas, un hooper, plopper, je sais plus. Ici, je l'ai ramené et j'ai pris un brochet de 97 cm. Et ça fait bizarre de revenir ici parce que du coup, en fait, on était venu là-bas. On était déposé là-bas pour le déposer puis pour faire la photo. Donc, on a été sur la perche. Et on avait mis du temps à leur faire démarrer, au moins 20 minutes. Et après, il a redonné un coup de queue, et puis il est reparti après. Mais ouais, ça fait très bizarre, parce que 97 cm, on n'en voit pas tous les jours.
Et ça fait bizarre parce que ouais, c'était juste ici. Et puis ça fait 4 ans que je suis venu, donc c'est marrant. Donc voilà, voilà. Cette session touche à sa fin. J'aurais fait 0 poisson. Quelques touches ou pas? Non. Non. Pas de touche. Ouais. Mais ça reste quand même une bonne machinée. Vincent, il fait combien de poissons? Je sais pas. 2-3 brochets, non? Non, 3. 2 brochets. Ouais. Et 2 ou 3 perches. Ok. Moi je fais un chevesne, 2 perches et un brochet. Et maman elle fait 6 perches, un black bass, un brochet. Ok. 6 perches, un black bass et un brochet. Ah oui. Ok. Bon bah Mimi t'es la seule capot. Mais en plus on finit, il pleut. On est trempé, j'ai réussi à filmer un petit peu quand il pleuvait, mais bon. Tout est trempé un peu, je sais pas si on voit. Ça, ouais, tout... Filme le mien plutôt. Mais c'est vrai. Mais c'était vraiment ouais. Bon bah c'est comme ça hein. Il y a des jours comme ça que Mimi. Bon allez. Ciao. On se retrouve quand? Demain ou après. Ouais, on verra bien de toute façon. Bah, sûrement demain. Ouais bah oui, demain. Demain tu peux dire demain ce sera sorti sur le lac de Vassivière. Hey, sur le lac de Vassivière. En basse boat. Demain ce sera sorti sur le lac Vassivière. Vassivière. En basse boat en plus. En basse boat. Donc ouais, bah, ça sera sympa en plus. Avec des joueurs. Ouais. Bon, on se retrouve demain. Oui. Pour voir la suite.